Les nommés Yaouba, repris de justice, et Mohamedou Awalou, tous âgés de 38 ans, spécialisés dans le vol des motos de type Audio, opéraient dans les quartiers Akwa, Marché Congo et Ancien 3e. C'est grâce aux multiples plaintes des victimes enregistrées dans les services de sécurité du littoral que les malfrats vont être piégés par les caméras de surveillance et appréhendés le 13 septembre par les forces de sécurité. Nous avons interpellé deux individus suspectés de commettre ces vols. Ceux-ci sont bien évidemment passés aux aveux complets. Ces vols, de notre point de vue et à l'analyse des faits, sont essentiellement dus à la négligence des conducteurs de ces engins qui ne prennent pas le temps nécessaire de bien fermer les têtes des guidons. Ils avouent avoir volé plus de 100 motos. Ces malfaiteurs ont été conduits sur les lieux où les infractions ont été commises pour une meilleure appréhension des faits. Une opération qui soulage les victimes. La moto était fermée au guidon et en même temps fermée à la roue arrière. J'entre au bureau, je travaille. Je ressors vers 13h30 et je constate que ma moto avait disparu. Je félicite le travail que la GMI fait pour aider la population et je les encourage vraiment à aller de l'avant. Les services de sécurité invitent les populations à plus de vigilance. La première sécurité commence par l'usager lui-même. Il ne peut pas se permettre d'abandonner la moto et après se plaindre que les motos ont été emportées. Ils ne doivent en aucun cas faciliter la tâche à ces malfaiteurs. Donc ce même jour, deux autres brigands, Gongan Eric, 39 ans, Sonné, Ndiab Nangjan, repris de justice, lui âgé de 44 ans, ont été appréhendés pour détention et consommation de stupéfiants. Les criminels seront mis à la disposition des services judiciaires de sécurité du littoral pour la suite des enquêtes.